少次地靠我，乡愁的万树，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。就他乡寄故乡，游子，你可记得土地的方向？妈妈，你可知道？Tous les ans, le 3 mai est le moment le plus animé au village de Liansun, dans la ville de Fuan, province du Fujian. Le jour est à peine levé, tous les villageois, y compris vieillards et enfants, sont rassemblés au temple Mingyue, clair de lune, du côté ouest du village, pour rendre hommage à l'ancêtre, Xue Lingzhi. Selon les coutumes locales, une cérémonie de prière pour implorer la protection doit être tenue. Ce petit village pittoresque et tranquille est situé à 15 km au sud-ouest du centre-ville de Fuan dans le Fujian. Il s'appelait jadis Shezhejin. En l'an 502, pour fuir la guerre, à la tête de son clan, Xue He, ancien conseiller impérial sous la dynastie du Nord, migra depuis le Jiangsu jusqu'au Fujian où il se fixa. Selon la légende, le mot Lian, intégrité, dans le nom Liansun, a été donné par l'empereur Suzong des Trang en 756, en guise de remerciement à son professeur Xue Lingzhi, en raison de son intégrité. De ce fait, les gens qui vivent dans ce village de Liansun, de génération en génération, sont tous fiers de ce nom et observent de génération en génération le précepte ancestral de l'intégrité. Les villageois de Liansun vénèrent leur ancêtre Xue Lingzhi en raison de l'intégrité dans l'exercice de ses fonctions mandarinales et de la droiture dans son comportement. Selon des registres historiques, alors qu'il servait de compagnon d'école au dauphin, Xue Lingzhi composa un poème intitulé « Mon propre éloge funèbre ». Des boules sont servies jour après jour, elles sont apportées au professeur dans l'assiette. Qu'y a-t-il dedans? Ce sont des luzernes pour bétail, difficiles à avaler et le repas. Claire et la soupe claire comme de l'eau. La nourriture ne permet que de subsister. Comment faire pour passer l'hiver froid? Par ce blason, Xue se moqua du dignitaire corrompu, Li Linfu, qui abusait de son pouvoir. Il ne daignait pas côtoyer ce type d'individu et préféra démissionner pour couler une vie austère dans son pays natal. L'empereur Xuanzong des Trang ordonna au maire de Trangxi de lui apporter une aide financière chaque année. Mais Xue Lingzhi n'accepta qu'une somme modique pour couvrir ses besoins élémentaires. Plus tard, le dauphin monta sur le trône. Il fut nostalgique de son professeur si sobre. Mais à ce moment, Xue était déjà décédé. Par respect pour sa droiture et son intégrité, l'empereur Suzong des Trang décréta de baptiser le village natal du nom de Liansun, village de l'intégrité.
今天是我们临川学令局名校新生考证正式的一天，所以我们临川的祖祖孙孙千秋万代要记住这一天。Le temps fort de la cérémonie sacrificielle est une reconstitution de la scène glorieuse où Suelingzhe fut porté par un palanquin pour effectuer une procession dans le village quand son nom fut annoncé au palmarès d'or comme lauréat du concours impérial. Chaque fois que le palanquin passait devant une famille, le propriétaire sortait une poignée d'encens pour la troquer contre celle de Sué. C'est par ce geste que les gens prient l'ancêtre Suelingzhe de protéger les descendants de la famille dans leurs études. Depuis un millier d'années, les villageois de Liansun recommandent à leur progéniture d'observer les principes et les règles que l'ancêtre a établis pour comportement. Aujourd'hui, tout ce qui est dans le village, les maisons, les arbres, les rues, tout exprime l'admiration et l'estime des villageois pour Liansun, pour la personnalité de celui qui fut propre et intègre. Chen Zhongqing est le chef de station de gestion de la construction des villages et bourgs de la ville de Fuan, en charge de l'entretien et de la restauration de 447 villages de la ville. Quoique il ait quitté le pays natal pour faire des études ailleurs à l'âge de 16 ans, en tant que descendant à la 34e génération du clan Chen, au village de Liansun, il est très fier de pouvoir participer en personne à la restauration du village antique, dans son état originel. 我们连村的名字最有特色的地方在哪里呢？是在他的三强部位挂了一只玄鱼。在东汉的时候，有一个官员叫杨旭，他的下属为了受贿他，送了一只鱼给他，他就把这鱼兽下来挂到他的这个梁上面。那下一次他的这个下属又送鱼给他的时候呢，他就指着这只鱼跟他说：“你不能再送了。”所以这个玄鱼呢，有一点像清官廉洁的这种代名词。 Les habitations dans le fort antique au village de Liansun sont pour la plupart d'entre elles des édifices datant des dynasties Ming et Qing. Elles furent construites par les descendants du clan Chen qui vivent ici de génération en génération. Depuis plus d'un millier d'années, le clan Chen persiste dans la tradition d'intégrité de Suelingzhe. Le héros Chen Zui, sous la dynastie Song, qui combattit contre la dynastie Xin au champ de bataille, ne céda que d'un seul pouce et ne recula jamais. Il gagna la réputation d'officier ferme. Dans la même période, Chen Sheng, maire du district de Zishui dans le Jiangxi, fut un mandarin intègre et très apprécié par ses administrés. Mais il perdit sa place en raison de la persécution orchestrée par le chancelier Qin Hui. Mais à peine fut-il revenu au village de Liansun, la population de Zishui, qui l'aimait, lui apporta ce panneau d'inscription « Renom perpétu à Zishui » qu'elle avait confectionné en parcourant un millier de lieues. L'histoire de Chen Sheng est transmise jusqu'à nos jours. À partir de la dynastie Trang au 7e siècle, un total de 33 docteurs impériaux apparurent dans le clan Chen au village de Liansun, qui gagna aussi la gloire d'avoir 5 docteurs sous le même toit avec 3 générations, toutes lauréates des concours impériaux. Jusqu'à nos jours, le village conserve encore 3 temples familiaux des Chen, qui sont respectivement temple Dongzi, général, temple Zhangzi, du fils aîné, et temple Zhezi, d'autres branches. Quoique le clan Chen comptât un grand nombre de docteurs impériaux et de mandarins, les temples familiaux n'ont pas du tout l'air splendide. Ce qu'on peut voir, ce sont des édifices simples. C'est une idée qui est物尽其用、够用就好的这样的一个理念。整个总值呢，一共是5个开间、3个进深，它每一层的台基都高高的，不断向体现，通过廉政的这种文化，到将来不断的向高处发展的，像这样的一个理念。 Cette allée mandarinale antique à 3 pistes, où des voitures et des hommes passent depuis plus d'un millier d'années, traverse toujours le petit village de bout en bout. Selon la légende, quand les mandarins ou les officiers quittèrent le pays natal pour aller prendre leurs fonctions, leur voiture à chevaux prit toujours cette allée à 3 pistes. Quand ils revinrent au pays natal plus tard, hommes et femmes, vieillards et enfants de tout le village
les accueillir en battant du tambour et du gong des deux côtés de cette voie. Cela est une tradition millénaire du village. Si on le fait de cette manière, c'est parce que cette allée mandarinale antique a un sens bien particulier. Quand on marche tous les jours dans cette allée mandarinale antique à trois pistes, elle rappelle à chaque instant aux descendants de Lien Sun le respect dû à la droiture et l'honnêteté, ainsi que la préservation de la vertu. Wang Jie, professeur au département de philosophie de l'école centrale du Parti communiste chinois, apprécie du fond du cœur la pratique des villageois de Lien Sun de transmettre de génération en génération. Lien Sun de l'habitant, 世世代代 恪守, 廉洁自律的信条, 我们今天这个社会啊, 需要他律, 但是 更需要自律。那么，把制度的他律和外在的规范内化为道德的自律，内化为自己的一种品格、一种价值观、一种社会责任，然后指导自己的行为啊，这就是做人的一种最高的一种境界。Le matin à 6 heures, Chen Youshun, 58 ans, commence déjà à s'affairer dans sa plantation de thé. La cueillette. Et aussi la période la plus chargée pour les villageois de Lien Sun. Dans l'histoire, le village de Lien Sun fut un important port sur la rivière Mushuezi, l'une des trois artères de communication fluviale de Fuan, une plaque tournante marchande pour le nord-est du Fujian et le sud du Zhejiang à l'époque. Il fut si prospère qu'on disait qu'on n'avait pas besoin de se servir d'un parapluie dans la rue de Dilieu. Chen Youshun a commencé à apprendre à planter le thé auprès de son grand-père quand il avait une quinzaine d'années. Il a pu produire du thé indépendamment quand il a atteint ses 20 ans. Aujourd'hui, il est propriétaire d'1,5 hectare de plantation de thé et aussi de plusieurs salons de thé. C'est en s'appuyant sur ses deux mains qu'il a pu mener une vie aisée et honorable. Ses mains ont eu le contact avec d'innombrables feuilles de thé. Quand les Chinois boivent du thé, ils mettent l'accent sur la dégustation. Et déguster un thé ne consiste pas simplement à juger la qualité du thé, mais c'est surtout pour savourer la culture du thé qui procure la sensation du voilé dans la liqueur légère et du sucré dans le goût amer. Le livre du thé de Lu Yu, de la dynastie Tang, mentionna une histoire de l'entretien de l'intégrité par le thé. En Chine, dans le concept traditionnel, l'intégrité est considérée comme l'une des vertus du thé. Mais Chen Youshun, qui produit du thé depuis de longues années, a une autre compréhension humble de cet entretien de l'intégrité par le thé. S'en tenir à l'honnêteté, ne jamais truquer, voilà la saveur de la vie que Chen Youshun a perçue dans la plantation et la production du thé. L'estimant équitable en toutes choses, les villageois l'ont choisi comme l'un des vénérables du temple Zhezi des Chen, chargé de résoudre les différents problèmes au sein du clan. Chaque mois, le premier mois est le jour où les vénérables se réunissent au temple. Aujourd'hui, les vénérables du temple joue encore un rôle dans le traitement des affaires du village. Cette fois, on envisage de restaurer le temple à l'entrée du village. Cela nécessite l'occupation des terres de 5 familles. Il est donc à discuter les droits de succession de ces terrains et de la répartition des fonds pour la restauration. Les affaires du clan touchent aux intérêts de l'ensemble des villageois.
Chaque fois, le temple des Chen affiche le papier rouge sur lequel sont détaillées la collecte des fonds auprès des villageois et l'emploi de ces fonds, à tels endroits, pour quelles sommes. Tout cela est rendu public et transparent. Cette tradition que le clan pratique depuis plus d'un millier d'années, qui défend les intérêts publics, est aussi le fondement de la confiance mutuelle et de l'unité solide des villageois de Liansun. Persuader les villageois de céder des terres n'est pas... Dans la réunion, Chen Yoshun s'est porté volontaire pour prendre cette affaire en main. Le lendemain matin, très tôt, il est arrivé chez un villageois. Les villageois de Liansun sont pour la majorité d'entre eux autant honnêtes et compréhensifs que Chen Yoshun. L'ancêtre de Liansun était pour l'intégrité et détestait la corruption. Ces enseignements pour la conduite honnête d'un homme leur ont apporté une vie simple et paisible. Depuis plus d'un millier d'années, le clan Chen au village de Liansun forma il y a longtemps un règlement incitant les membres à l'intégrité et à l'autocontrôle. Ne pas s'approprier des biens indus, ne pas chercher à gagner des profits de manière malhonnête. Rester intègre, honnête et droit est un principe fondamental pour les villageois de Liansun dans tous leurs actes et paroles. Tout membre intègre est inscrit dans le registre généalogique de la famille. Tout individu corrompu est exclu du clan et après sa mort, il ne sera même pas autorisé à être enterré au cimetière du pays natal. Le clan Chen du village de Liansun révise son registre généalogique une fois tous les 5 ans. Cette année coïncide avec une nouvelle révision. Chen Xiongkrang est le petit-fils aîné du fils aîné de la 33e génération. Il a 80 ans cette année. Depuis qu'il a pris sa retraite en 1996, il est revenu au village et se charge de réviser le registre généalogique de la famille. Avant de prendre sa retraite, il était ingénieur au bureau des travaux hydrauliques de Fuan, en charge du mesurage et de l'exécution des travaux. Une fois, le responsable d'une équipe d'exécution de travaux est venu le voir, espérant qu'il pourrait modifier les données mesurées. Trente yuan équivalait à un mois de salaire de Chen à l'époque. Mais il les a restitués à la personne sans hésiter. Et à partir de là, il a pris une décision. Dans sa carrière de 42 ans, Chen Xiongkrang ne fumait pas de cigarette, ni ne buvait, ni n'acceptait d'être invité. Il a pris sa retraite il y a 20 ans. Revenu sous le toit ancestral du village de Liansun, tous les jours, il mange des repas simples, mais il a l'esprit serein. C'est aussi dans ce sens qu'il éduque ses 3 enfants. Défendre toujours l'intérêt public, veiller à l'intégrité de soi et à la bonne conduite. Comme Chen Xiongkrang, tous les villageois de Liansun ont une règle d'intégrité dans leur tête. Où qu'ils se rendent, quoi qu'ils fassent, ils se rappellent toujours qu'ils sont du village de Liansun. Chaque parole et chaque acte doit mériter ce mot « intégrité ». Chen Shouchang est le contremaître d'une équipe ordinaire de travaux de finition. Grâce à son savoir-faire et à sa rigueur dans le travail, il jouit d'une bonne réputation dans ce secteur à Fuan. Mais ce que les clients apprécient le plus chez lui est la qualité humaine d'un homme originaire de Liansun. Chen Shouchang a un carnet. Les chiffres notés dedans sont surprenants. Le
怎么会亏了呢？按我们那时候协议的时候，那时候材料还没涨价，后来是那个材料涨价了，还有就说那个工期延长了。那当时是您已经跟对方是签了合同的吗？我们都是口头协议的，没有正规的合同，诚信两个字，因为诚信已经讲过了，那现在不可能我们再去再要去他们这么多钱回来。 Chen trouve qu'il n'a rien fait de spécial. Comme ses pères au village, il a reçu une éducation dès son enfance. Quand on fait quelque chose, on doit le faire honnêtement. Quand on promet quelque chose, on ne doit jamais trouver d'excuses. L'intégrité, c'est d'accomplir ses devoirs quand on est à son poste. L'intégrité, c'est d'observer à chaque instant l'éthique professionnelle. L'intégrité, c'est de ne pas tricher, de ne pas tromper et de toujours défendre l'intérêt public. 60 ans, exerce son métier de médecin de campagne depuis 37 ans. Il avait prévu de prendre sa retraite cette année. Mais il dit que ce serait pratiquement impossible de prendre sa retraite. Ce jour, très tôt le matin, comme il n'y a pas de consultation, Chen Zhuoshun envisage d'aller collecter des plantes médicales dans la montagne. Ce sentier de montagne, il l'a pris d'innombrables fois. Il a été l'unique médecin de campagne du village aux alentours. Mais en tant que médecin de campagne, quand il fait du vent ou quand il pleut, qu'il s'agisse de nuit ou de jour, il doit être disponible pour consulter à tout moment. Une fois, il a été réveillé à minuit alors qu'il tombait une pluie torrentielle. Il s'est précipité vers le malade en grimpant des montagnes. Guérir les malades est le devoir des médecins. Les médecins de campagne n'en font pas exception. Pendant toutes ces années, Chen Zhuoshun est toujours disponible en tout temps et n'a jamais retardé un seul patient. Dans sa carrière de médecin de 37 ans, Chen Zhuoshun applique toujours le barème des prix les plus bas. En tant que villageois de Liansun, dans son poste de médecin de campagne, Chen Zhuoshun persiste dans son éthique et son devoir d'intégrité. Et il est prêt à poursuivre cette entreprise pour toujours. Comme Chen Zhuoshun, les villageois de Liansun assument tous chacun ses responsabilités et restent fidèles à leurs devoirs. Aujourd'hui, les visiteurs au village de Liansun se font de plus en plus nombreux. Un plus grand nombre de villageois de Liansun sont impliqués dans le rayonnement de l'intégrité. Pour Chen Muchang, 61 ans, ce n'est pas un travail facile de servir de guide bénévole du village tous les jours, en été caniculaire comme en hiver glacial. Mais il y a un grand plaisir. C'est une grande joie pour lui de pouvoir voir le village se développer. Chaque année, après avoir célébré l'office sacrificiel en hommage à l'ancêtre, le village fait venir des troupes théâtrales pour donner des spectacles d'opéra du Fujian, et ce pendant 3 jours consécutifs. Chaque année, le premier spectacle donné
interprète toujours la justice et l'intégrité. Cette fois, la troupe offre le jeu. Bao Zhang accuse la famille impériale. L'image du sieur Bao Zhang, intègre, dévoué et justicier, influence imperceptiblement les villageois de Liansun, de génération en génération. Au centre du fort, il est un mur frontal portant inscription « Vertu des ancêtres comme norme ». C'est un précepte que les ancêtres de Liansun laissèrent à leurs descendants, leur recommandant de se référer aux vertus des générations antérieures et de sauvegarder l'intégrité par l'autocontrôle. Chen Shui-fu est professeur de lettres modernes au lycée de Sitran. En 2012, à son initiative avec sa femme, il a fait entrer la culture des trois intégrités dans le manuel scolaire du lycée de Sitran. Pendant le week-end, Chen Shui-fu vient au temple familial pour apprendre aux enfants l'histoire de l'ancêtre Xueling-je. Transmettre la culture d'intégrité aux générations futures et la faire rayonner, c'est bien là l'aspiration commune de tous les villageois de Liansun. Dans les temps Fang, les lotus s'épanouissent sans donner de ramifications. L'eau du puits Minghui, de la lune claire, est limpide. Des rires éclatent sur les marches du temple familial des Chen. Aujourd'hui, ce village antique fait preuve d'une plus grande vitalité. L'adoration et le respect de l'intégrité ont perduré pendant plus d'un millier d'années. Les habitants de Liansun ont gravé cet esprit d'intégrité dans leur cœur. Cet esprit permet non seulement au village de prospérer, mais aussi à bon nombre de gens en visitant ces lieux d'en tirer profit, et ce, durant le reste de leur vie.相逢在执手。